Salut à tous et à toutes. Bienvenue pour ce petit road trip dans le Vexin Normand à 70 bornes de Paris. Un départ à la fraîche, le temps d'arriver au moulin de Fourges où nous sommes actuellement. On va rejoindre le village de Lyons-la-Forêt par de très petites routes. Alors pourquoi partir à la fraîche ? Pour profiter de l'atmosphère du lever du jour sur la campagne. Du soleil, un peu de brume, une température un peu fraîche, le pied. Sympa le gars, il s'arrête presque pour me laisser passer. Merci monsieur. Faut que je te dise, dans Echo, il y avait une foire à tout. Le truc qui m'a bloqué tout le village. Donc, petit détour pas prévu par le GPS, et ça a commencé à jardiner. Ceci dit, je regrette rien, parce que regarde comme c'est beau. Et putain, mais quelle ambiance. Perso, je trouve ça total magique. Alors lui, je l'ai pas vu arriver. Je sais pas s'il m'a vu de loin. Et bref, je me suis serré sur le bas-côté pour pas ressembler à un moustique sur sa calande. J'ai pas fait le cacou après l'avoir croisé celui-là. We'll be right back.
Après, dans mes îles, les routes passent pas mal au milieu des champs. La ligne droite, et de la ligne droite, et encore de la ligne droite. Sympa pour une petite arsouille, mais bon, y'a personne. Ce bled a rendu dingue le GPS. J'ai fait le tour du pâté de maison avant de prendre la bonne direction, au moins deux fois. Thank you.
encore des lignes droites à travers champs. Honnêtement, je sais pas trop par où me fait passer ce GPS. Quoi qu'il en soit, mes détours m'ont un peu allongé le temps. Résultat, la batterie des GoPro a un peu lâché. J'ai pas croisé grand monde et bim, en pleine descente, pile poil là où ça commence à être un peu plus fun, il faut que je tombe sur cette bagnole.
Lyons-la-Forêt est classé parmi les plus beaux villages de France, situé aux abords d'une des plus belles et très cathédrales d'Europe. Avant de se quitter, on passe par le cœur du village où se trouve une magnifique halle. Tu trouveras un lien dans la description pour tout savoir sur Lyons-la-Forêt. Et si tu as aimé cette balade à la fraîche, un petit like et pense à t'abonner pour suivre les balades à venir. A plus et gaffe sur la route.